bouge pas d'un poil, Bill. Je reviens dans deux secondes. Bonjour, Bill. Oh non, pas le vétérinaire. J'ai horreur des piqûres, moi. Toutou, Bill, pas de piqûres aujourd'hui. En fait, je suis venu pour vous proposer un défi. Un défi? J'adore les défis. Est-ce que vous connaissez le livre Croquettes des records? Un livre fait tout en croquettes? J'en ai jamais goûté. Ah oui, c'est un livre où il y a les records du monde des animaux et leurs maîtres. Eh bien, je suis le représentant officiel du livre Croquettes dans votre ville. Ça vous dirait d'y être tous les deux? À fond! Boule et Bill, champion du monde! Ça serait génial! Pourquoi pas? Mais alors, on mange quoi dans cette histoire? Si vous battez un record, vous aurez vos noms dans le livre et aussi un article sur vous deux dans le journal. Oh, un article d'un journal? Oh là là! Vous allez devenir des stars! Ouais, je préférerais un bel os bien juteux. Mais attention, vous n'allez pas être les seuls à concourir. Trop bien! On adore les compétitions, hein, Bill? Ouais, si tu le dis. Je te promets un méga os royal si on réussit. Un méga os royal? Fallait le dire plus tôt. Admirez plutôt l'artiste. Allez, hop, hop, hop. Attention, le record doit absolument être réalisé en duo. C'est-à-dire toi et Boule. Et moi alors? En duo? Trop fastoche. Attrape, Boule. Oh, mais je sais, je connais un record à battre dans le livre. On va atomiser le plus grand nombre d'échanges au ping-pong en 3 minutes. Trop facile. On est fortiche au ping-pong. On y va? C'est que j'ai un os royal à gagner, moi. Quatre cent un, quatre cent deux, quatre cent trois. Plus que quelques secondes et vous allez battre le record haut la main. Faut qu'on dépasse les 420 échanges, Bill. Allez. Excusez-moi, c'est pour le livre Croquettes? On n'a pas pu venir plus tôt, mais nous aussi, ça nous intéresse. D'accord, pas de problème, Axel. Laissons-les terminer d'abord. Ils n'y arriveront jamais. C'est évident. Je ne veux pas rater ça. Il ne reste plus que 10 secondes. 419. Oh non! Oh, c'est trop bête. Une crampe d'oreille. Bill, est-ce que ça va? Étire ton oreille, ça va vite passer, ne t'inquiète pas. Impec, je suis en pleine forme, on y retourne. C'est ça, tu parles que de la frime. Ah ouais? C'est ce qu'on va voir. On peut recommencer, monsieur? Je suis sûre qu'on va y arriver. Vous ne voulez pas plutôt changer de record? Quelque chose d'original qu'aucun duo n'a jamais fait? Ah oui! On est super fort pour inventer. Tu veux bien, Bill? Mais attention, Axel et Rocket vont également participer. Je parie qu'on va y arriver avant vous. Pas vrai, Rocket? Essayez toujours, on va bien rire. On va même être plié de rire, tu veux dire. Très bien! Je vous départagerai tout à l'heure, ici même, en fin d'après-midi. Pourquoi pas une course en sac à deux dans le même sac? Ouais. Ouais, bof, pas très original. Et une course à deux en se tenant sur deux skates. Ouais, t'as raison, trop dangereux. Est-ce que ça va, papa? Oui, oui, merci, rien de cassé. Juste ma fierté. Je peux te le piquer 2 minutes, papa? Oh, d'accord. De toute façon, j'en ai plein le dos. Essayons le lancer de croquettes. Tu dois en attraper un maximum en moins de 5 minutes. Oh,
Deuxième idée, faire le tour du parc le plus vite possible. T'es prêt? Go! Plus vite, Roquette! Plus vite! Plus vite! Attention! J'ai dit attention! Je vais lancer cet os. Et toi, tu dois me le rapporter un maximum de fois en un temps record. Compris? Oui, trop facile. Oh! Rapporte, c'est pas vrai. Je t'avais dit de le rapporter, pas de le manger. On peut quand même pas les laisser gagner. Allons voir ce qu'ils fabriquent. On s'accroche, Bill. Je l'aurais bien mérité, ce nonos. Attention, ils vont nous voir. T'as entendu comme moi? Allez, on lance l'opération contre-espionnage. Bon, et si on faisait une petite pause? Oh, j'ai super soif. Oh, aïe, 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 j'en ai plein les pattes, moi. Tu devrais t'assouplir aussi, t'es raide comme un balai. C'est pas vrai, tu comprends rien. Tu serais pas en train de nous espionner par hasard? Non, pas du tout. On faisait que passer. À plus, les nuls. S'ils reviennent, je leur croque les fesses. Je connais un truc pour bien rester concentré. Ok, c'est pas grave. Faut qu'on y aille, le vétérinaire nous attend. Mais... ce fumet délicat, cette odeur délicieuse, c'est... Bill! C'est pas le moment de manger. On va être en retard. Attends, Bill, je parie que c'est un piège d'Axel. Faut pas que tu tombes dedans. Mais c'est trop bon. Non, Bill, arrête! Je ne sais pas ce que font Boule et Bill. Ils sont en retard. On peut commencer, monsieur. Ils ont sûrement abandonné. Tu m'étonnes, on est tellement plus forts qu'eux. Bon, allez-y, vous pouvez commencer. Nous allons battre un record très original, jamais tenté par personne. Celui de l'équilibre à deux sur tabouret. Vous préparez un numéro de cirque? Non, non, on tente un record du monde sur tabouret. Bonjour, le numéro de clown. Non, Roquette. Roquette, c'est la deuxième fois qu'on rate à cause de toi. Rends-moi ça, t'es privé de biscuits. 12 minutes. Le record chien et maître en équilibre à deux sur un tabouret est homologué. Mais c'est de la triche. C'était notre idée. Vous avez qu'à tenter le record du chien qui mange les biscuits le plus lentement, gros nul. Calmez-vous, les enfants. Poule, vous pouvez toujours essayer de battre ce record en tenant plus longtemps. On va faire encore mieux que ça. Un truc super original, même que les tricheurs dans votre genre pourront jamais le battre. Wow, 11 minutes. Wow. Ça, c'est des vrais artistes de cirque. On va quand même pas les laisser nous piquer notre victoire. Opération sabotage. Bill, c'est pour qui les biscuits? Non, merci. Biscuit. Tu vois bien que j'en ai déjà plein, non? Oh, allez, un petit biscuit. Oh, 12 minutes et 30 secondes. Le record chien et maître en équilibre sur un tabouret, un ballon et un skateboard tout en jonglant a été battu par Boule et Bill. Bravo. Bravo, les champions.
Pas mal, hein? Bonjour, Boule. Ça y est, c'est officiel. Vous êtes dans le livre Croquettes des records. Félicitations. Trop cool. Félicitations, les champions. Souriez, vous êtes des stars maintenant. Ah. Oui, bon, bah, c'est bien beau tout ça, mais t'aurais pas oublié un petit quelque chose, Boule? Je sais ce que tu veux. Voilà ton trophée. Sans ton soutien, Caro, on n'aurait jamais gagné. Ah bon? Ben, merci. Merci beaucoup, Bill. Tu es vraiment un chien exceptionnel. C'est qui le meilleur? Alors, Caro, quelle oreille? Celle-là. Gagné. Miam. Merci, Bill. Oh, y a pas de quoi. Chérie, c'est génial. Qu'est-ce qui se passe? Il y a les splendides rythmiques qui passent en concert ce soir. Je les adore. C'est quoi ça, les splendides Remix? Un groupe de percussions brésiliennes. Tiens, écoute, ce sont les meilleurs. Tu te souviens, chérie, c'était notre premier concert. T'avais mis cette horrible chemise à fleurs jaunes. C'est pas mal. Ça pisse. On peut pas rater ça. Allô? Oui, c'est pour le concert de ce soir, je voudrais réserver, hein? Oh, c'est complet, c'est complet. Il n'y a plus une place de libre. Bon, ben, une autre fois. Oh non, j'avais oublié, j'ai un rendez-vous très important. J'avais vraiment envie d'aller à ce concert. À plus tard, tout le monde! Bon, j'ai des bricoles à faire dans le garage, moi. C'est ouf, les percussions! Regardez comme j'assure! Bill a raison! C'est super rigolo! Et les amis, si on faisait un concert surprise pour papa et maman, ça devrait pas être trop difficile de faire mieux que les splendides trucs! Génial! Trop bien! Mais on n'a pas d'instrument comme les splendides, nous. Oui, Boule a raison, Caro. Comment on va faire un concert sans instrument? Et ça, c'est quoi? T'as raison, Bill. On va improviser. Exactement ce que je cherchais. Tada! Go! Maman? C'est pas vrai, mais où ai-je la tête? C'était chaud. On a failli gâcher la surprise. Allons jouer dehors. On sera beaucoup plus tranquille. Boule, je cherche la passoire. Tu ne l'aurais pas vue quelque part, par hasard? Ben, qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes momifié. Ouais, c'est ça. On est en train de jouer à un, deux, trois soleils. Mais à la mode égyptienne. Voilà, il est super ce jeu. Je suis Bill le Sphinx. Et moi, je suis tout en carreau. Bien joué, les copains. On sera mieux là.
Mais faut qu'on joue tout doux. Il y a des oreilles partout ici. C'est pas bientôt fini, tout ce tapage. Bonjour, Madame Stick. Désolée, on ne voulait pas vous déranger. Eh bien, c'est fait. Je vous avertis, si vous continuez à faire du bruit, j'appelle la police. Oh non, non, surtout pas. T'as compris, Cabot? Allez, rentre dans ta niche. Dis donc, on t'a pas sonné, le crotal. Arrête d'aboyer. Et surtout, arrêtez les bruits de casserole. Vous me cassez les oreilles. Désolé, pas. On fait rien, on joue tranquillement, c'est tout. Vous pouvez jouer à 1, 2, 3 soleils égyptiens plutôt. Ça fera moins de bruit. Vous l'avez entendu? On joue si mal que ça, vous croyez? Mais non, on est des pros. Si c'est ça, on n'a qu'à aller jouer au parc devant un vrai public, on verra bien. Hé, regardez, le monsieur là, il a l'air d'aimer. Cool. T'inquiète, il a des croquettes dans les oreilles. Hé, hey, Bill. Super, une fan. Bah ouais, on assure. Cuillère, je peux, s'il te plaît? Merci. Waouh! Ta-da! Le truc, c'est qu'il faut rester en rythme. Allez, salut les musicos. Est-ce que ça veut dire qu'on est nuls? Mais non, pas du tout, Macaro. On n'est pas encore au poil, c'est tout. Je sais. On va former un groupe avec les copains. On se retrouve au terrain secret. Super idée. On fonce, nom d'un os. Un groupe de percussion? Chouette. Mais je jouerai de quel instrument? Tu dois bien avoir des cuillères chez toi. J'ai encore mieux que ça. Hé, Pouf! Tu viens jouer avec nous? Ben, je suis pas très fort en percussion, moi. Bien sûr que si, c'est comme se brosser les dents. Mais en rythme. Ah, comme ça? Ouais! Salut, Pluche. Ça te dirait pas de venir faire des percus, plutôt? Si, carrément, j'adore les percus. Allez, faut y aller. Ming! Hey, c'est quoi ce truc? Bah, ça se voit, non? C'est juste un os qui fait du bruit. Génial, ce truc! Tu voudrais pas faire partie de notre groupe par hasard? À fond, je vais carrément assurer. Faudrait un nom de groupe. Les rois du boucan. C'est pas mal, non? Et les bruiteurs pousses, c'est mieux, non? Et si on s'appelait plutôt les magiques percus? C'est un super nom de groupe, ça. Oh ouais, trop bonne idée. Ouais, ouais, trop cool, ce nom. Vous êtes prêts? 1,
jamais y arriver si on continue à jouer comme ça. Allez les musicos, faut qu'on joue bien ensemble et en rythme. Pas mal du tout les copains. Écoutez-moi ça. Oh, c'est vrai? Oh, merci beaucoup, monsieur. Vous êtes mon héros. Ouais! Oui! Yeah. Papa, maman, on vous a préparé une super surprise. Alors ça, c'est marrant. Nous aussi, on a une super surprise pour toi. Surprise! Hein? Papa a réussi à avoir des places pour le concert, finalement. C'est génial, non? Trop génial! Sois gentil avec Julie. Elle est là pour te garder. Alors amusez-vous bien et soyez sages. Bonne soirée. Boule, ça va? T'as l'air bizarre. Bon, Julie, papa et maman sont partis, alors c'est toi qui vas faire notre public. Ah bon? On est les Magiques Percus! Vous êtes trop mignons. Mais c'est pas bientôt fini tout ce boucan! Alors Julie, c'était comment? Super. On devrait peut-être faire une tournée mondiale. Ou peut-être pas. Miam, on va se régaler. Il y a tellement de trucs appétissants que je sais même pas quoi choisir. Oh non, c'est pas vrai. Le restaurant interdit les animaux. Je vais pas pouvoir vous emmener. Je suis vraiment, vraiment désolée les copains, mais j'ai pas le choix. On ira ailleurs une prochaine fois. Oh mince, j'ai failli oublier de prendre les BD que Noisette m'a prêté. Non mais c'est incroyable. Boule nous montre plein de bonnes choses à manger et après il dit qu'on peut pas venir. Oui, c'est cruel. Hé, Pouf! Tu veux que je te dise, Caro, on va quand même y aller au restaurant. Ah bon? Ouais, mais en cachette. Je t'emmène sur mon dos et quand on y sera, Boule sera bien obligée de partager son repas avec nous. Oh là là, alors ça c'est drôlement futé, Bill. Hé, Pouf! Bah alors, tu dors ou quoi? Non, j'arrive, je suis en train de mettre mes chaussures. Ok, à tout de suite. Faut que j'y aille, à tout à l'heure. Bouge pas, je vais essayer un truc pour que Boule nous emmène quand même. Oh zut, les BD de Noisette. Caro et toi, vous voulez venir, mais c'est pas possible. Bon, allez, à plus. Hein? Mais il est super lourd, ce sac. Caro, petite maligne. Trahison. Désolée, Caro, mais tu vas rester là. J'y crois pas. T'allais partir sans moi.
Je te demande pardon, Bill. J'ai vraiment pas pu résister. C'est facile de s'excuser maintenant. Bon, puisque c'est comme ça, j'y vais sans toi. Ah ouais, d'accord. Eh ben, j'ai pas besoin de toi de toute façon. Je peux me débrouiller toute seule. Bon courage. Et mon chéri, évite les plats trop gras et mange beaucoup de légumes et de fruits, d'accord? Oui, maman, je sais. Je vais lui montrer, moi, Abby. Il va voir. Oh, Salut, Robin. Tu peux m'aider? Je crois que j'ai un petit problème. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je dois aller au restaurant en face du ciné, mais je sais pas où c'est. Tu peux me montrer? À ton service, Caro. Dans 5 mètres, veuillez tourner à droite. Yeeha! C'est parti! Il faut pas que Boule me voie, sinon il va me ramener direct à la maison. Mais c'est pas vrai, attends un peu que je t'attrape, espèce de sac à puce. Dans 15 mètres, tournez à droite. Oh, oh non, zut. Faut pas que Boule me voie, sinon il va me ramener direct à la maison. Pas de problème, je vais programmer l'itinéraire bis. Reprogrammation terminée. Arrivée prévue dans 8 minutes. Faites demi-tour dès que possible. Salut les garçons, comment ça va? Tiens, Noisette, les BD que tu m'avais prêtés. Super, merci. Je reviens tout de suite. Où est-ce que t'as bien pu te cacher, vilain toutou? Hein? Je vais passer par le parc, ce sera plus sûr. Dans 20 mètres, tournez à gauche. J'en peux plus, j'ai failli me faire attraper par la fourrière. Je vais rejoindre Boule au resto, tu veux venir? Non, merci, je vais rentrer me reposer. Je suis lessivé. Alors, tu as fini ta tournée? Oui, ça y est, j'ai livré tous mes sushis. Hé, mais ça veut dire qu'il va rentrer à la boutique de sushis, ça? Oui, et alors? La boutique de sushis est à côté du resto où je veux aller. J'ai trouvé ma voiture. Tiens, j'ai cru voir Caro grimper dans ce sac là-bas. N'importe quoi, c'était pas Caro. Impossible, on s'est un peu disputé, du coup elle est restée à la maison pour bouder. Ok, j'ai dû me tromper. Bon, j'y vais et fais attention à la fourrière. Ciao. Bon bah, je vais rentrer chez moi. Au revoir monsieur. Au revoir, à bientôt. Après, on est allé manger une glace, c'était super. Galère! Tiens, j'ai cru voir Bill se cacher derrière ce buisson. Quoi? T'es sûr? Bill?
Bill. J'ai eu chaud. Oh non, la fourrière! Bouge plus, le chien! Mets tes pattes derrière ta tête! Tu vas venir avec moi! C'est ça! Cause toujours! Caro, on prend pas la bonne direction! Oh non! Non! Faites demi-tour dès que possible! Faites demi-tour dès que possible! Ming! C'est ma seule chance! Non! Fais pas ça! Ming! Ramène-moi au resto en face du ciné, s'il te plaît! C'est super urgent! Attendez-moi! Un chien, mais qu'est-ce que tu fais dehors tout seul? Et pourquoi est-ce que tu fouilles dans les poubelles? Oh, regarde-toi, tu es tout dégoûtant. Tu as gagné un tour chez la toiletteuse. Oh, je déteste me faire toiletter. Plus vite, Ming! T'avances comme un escargot, là! Eh, Audi, ça va? Je suis pas un taxi, moi! Si t'es pas contente, tu peux descendre. Et en plus, ta carapace, ça me gratte. Réfléchis, Ming. Plus vite on sera arrivé, plus vite tu seras débarrassé de moi. T'as raison. Couche-toi, Caro. Dans 250 mètres, tournez à gauche. Ouais, ça va, Robin. Je connais le chemin. Oh, tu es tellement beau. Mais il manque quelque chose. Oh, je sais. Oh là là, j'aime pas ça. Dans 300 mètres, vous êtes arrivés. Désolé, Caro, mais tu vas devoir finir à pied. Ming, sois sympa, emmène-moi jusqu'au resto. Non, moi je rentre chez moi, je suis trop fatiguée, t'as vu? Allez, ouche. Comment je vais faire maintenant? Bingo! J'ai tellement faim que je vais prendre deux menus. Regardez! Oh. Youhou! Youhou! Caroline! Juste à temps! Qu'est-ce qui t'est arrivé, Bill? T'es tout beau! Caroline! Bon ben, ils font sans doute des trucs à emporter. On n'a qu'à commander et aller manger tous ensemble dans le parc. Allez, raconte. Comment t'as fait pour arriver avant moi? C'est une longue histoire. Restez où vous êtes et mettez vos pattes sur la tête. Oh, c'est vraiment pas ma journée, là. Il est complètement stupide, ce jeu. Ah bon? Pourquoi tu dis ça? Ben, réfléchis. Quand on joue à la baballe, c'est pour l'attraper, pas pour l'éviter. Je vais leur montrer, moi, comment on doit jouer. Bien joué, Bill. Allez, rends-nous la balle.
Oh. Bon, allez, ça suffit, Bill. Rends-nous la balle. Si tu la veux, viens la chercher. Super, félicitations, Boule. Comme tout le monde peut le voir, tu as le chien le plus mal dressé du monde. Je vais te montrer, moi, ce que c'est qu'un chien obéissant. Bah alors, les copains, c'est fini, on joue plus. Roquette, ramasse ce papier et mets-le à la poubelle. Eh ben, il est drôlement bien dressé, Roquette. Tu parles? Quelle mauviette, ouais. C'est qu'un gentil toutou à son mémètre. C'est trop la honte. Et maintenant, Roquette, viens me dire bonjour. Waouh, trop fort! Bravo! Génial! Ouais, bah, tout ce que fait Roquette, Bill peut le faire 10 fois mieux que lui. Alors ça, ça m'étonnerait. Bon, ben, et si on organisait un concours Bill contre Roquette? Ouais, ça c'est une super idée, Luna. Ah non, pas question que je joue les chiens savants. J'ai ma dignité, moi. Pourquoi pas? Qu'est-ce que t'en penses, Boule? Eh ben, en fait... Ok, ça marche. Top là. Ouais. Au pied, Bill. Au pied. J'ai dit au pied. Qu'est-ce qui se passe? Vous laissez de dresser Bill. Bah alors ça, c'est pas gagné. Au pied, au pied. Est-ce que j'ai une tête à mettre au pied, moi? Boule, si tu veux que Bill t'obéisse, il ne faut pas que tu lui cries dessus. Tu dois le prendre par les sentiments. T'as raison, Noisette. Faut que je sois un peu plus patient avec lui. Tu sais qui c'est, mon meilleur copain? Toi, tu veux quelque chose? C'est toi, mon meilleur copain. Et moi, je suis ton meilleur copain. Alors pourquoi est-ce que tu veux pas faire ce que je te demande, hein? Mais non, Boule, tu t'y prends mal. Ne me parle pas comme un chien. Ça suffit! Arrête de faire ton difficile maintenant! Au pied! Je t'obéirai pas tant que tu me cries dessus! Oh! L'autre jour, mon maître, il a acheté un aquarium. Et bah depuis, je vous jure, il passe toutes ses soirées à regarder ses poissons rouges. Et quand il se lève le matin, il fait comme ça. Sale petite puce! À tout à l'heure, Roquette. Je peux savoir ce que tu fais là? Tu t'es déjà fait toiletter hier. Oui, je dois être absolument impeccable pour le défi de demain. Le défi? Quel défi? Ah, ça, c'est une longue histoire. Bill, sois gentil, sors de cette nuit, s'il te plaît. Bill! Pourquoi tu veux pas sortir, Bill? Parce qu'il ne me respecte pas. Bill, tu vas sortir de cette niche tout de suite. C'est un ordre. Bill. Bill, mon Bill, je t'en supplie. Bill. Il dort maintenant. Axel va complètement me ridiculiser demain. Voilà, vous savez tout. Et demain, je vais lui mettre une énorme pâtée à Bill. Des puces! Allez hop, c'est parti pour une séance de shampouinage extrême. Rires.
Quelle petite puce. Je propose qu'il y ait 3 épreuves. D'abord, un concours de dressage. Ensuite, trouver un objet caché et le rapporter. Et pour finir, moi je sais, chorégraphie synchronisée. Le maître et le chien doivent faire des pas de danse ensemble. Tu crois que ça va aller, Boule? Première épreuve, le dressage. Axel et Rocket commencent. Bien, Rocket. Bon chien. C'est un super Rocket, que vous en pensez? Rien à dire sur cette prestation. C'était propre et parfaitement exécuté. Oui, Rocket a placé la barre très haut sur cette épreuve. À toi. Essaie de faire mieux. Me laisse pas tomber, Bill. Sinon, je vais avoir la honte. Ouais. C'est parti. T'es trop génial, mon Bill. Bill, je te demande pardon d'avoir accepté ce défi stupide et je suis désolée de t'avoir crié dessus. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre ça. Écoute, on s'en fiche complètement de gagner, d'accord? Tout ce qui compte pour moi, c'est qu'on s'amuse tous les deux. Ouf, j'ai enfin retrouvé le boule que j'aime. Le jury déclare Axel et Rocket vainqueurs de l'épreuve de dressage. Mais on a adoré le numéro de clown de Bill. Maintenant, on peut passer à l'épreuve numéro 2. Nous avons caché un os, ils doivent le trouver le plus vite possible. Le premier qui nous le rapporte a gagné. On dirait que je vais gagner la deuxième épreuve aussi. Allez, Bill, il y a quand même un os en jeu. T'inquiète, je laisse juste Rocket faire le travail à ma place. Si vous êtes d'accord, je pense que pour cette épreuve, il y a égalité. Troisième et dernière épreuve, la chorégraphie synchronisée. Bon, Boule et Bill, c'est à vous. Bonne chance, Boule. Ça te dit de faire notre vieux numéro de breakdance? Ok, c'est parti. Boule et Bill remportent la dernière épreuve.
Le jury a donc décidé que pour l'ensemble de la compétition, il y avait égalité. Oh. Ouais. Hé, hey, Rocket, tu veux que je te donne des cours de danse? On fait la revanche. Non, je crois pas. Oh. Pouah, quelle horreur! Ce numéro était d'une vulgarité.